Coucou, coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guerre, pas bah, toujours, 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 toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Nous allons parler, voilà, rapidement. Je vous donne la chance à tout un chacun, voilà, de partager massivement ce direct, parce que nous sommes en guerre de communication, je le dis tout le temps, donc rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent quelque part véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Je vais donner, voilà, quelques secondes à tout un chacun de partager. Et nous allons aller. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant-ci? Nous allons parler. Nous allons parler. Dossier Apuchu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je donne rapidement le temps, voilà, de partager et à mes abonnés de YouTube et de Facebook de se connecter massivement pour que nous puissions parler. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi le temps de ajouter quelque chose rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons eu finalement, je le dis, des informations. Certes, j'étais un peu prise, voilà, la journée d'aujourd'hui. Mais selon l'information qui est tombée, je pense qu'il y a Apuchu, voilà, avec d'autres personnes, ont été arrêtés, incarcérés en ce moment et à cet instant. Cette histoire de Apuchu, je pense que c'est une leçon qui va emmener tout un chacun à comprendre que nous devons faire attention à nos pas, faits et gestes. Nous devons faire attention avec qui nous marchons. Nous devons surtout, surtout, surtout faire attention à l'image que nous voulons montrer. Apuchu, pardon, est un jeune, je le dis haut et fort, que j'ai rien contre lui, mais quand ce qui concerne la loi, quand c'est quelque chose qui concerne les mots de nos sociétés, quelque chose qui ne va pas dans le sens que nous ne voulons pas que ces choses partent, je pense que nous devons respecter les normes. Je voulais revenir et vous dire que certes, Apuchu a été arrêté. S'il a été arrêté, cela veut dire quelque part que, je vais lire rapidement, voilà le communiqué, c'est important, nous allons aller tout doucement. Ce direct sera un direct qui doit être partagé massivement parce que j'ai des informations encore de surplus à vous donner et vous allez mieux comprendre. Je vais lire ici rapidement le communiqué du procureur de la République qui dit, et je cite, ce jour 14 novembre 2024, Agré Stéphane alias Apuchu National, Fofana Abdoulaye, Akobe Léonel alias Léonel PCS, Doufou Aristide et Sidibé Kader ont été déférés au parquet près le pôle pénal économique et financier. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre avec mandat de dépôt pour des faits d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États, de blanchiment de capitaux, de prise de paris illicite sur les réseaux de communication électronique et de transfert d'argent dans le cadre de jeux d'argent illicite sur les réseaux de communication électronique. Bon, je vais m'arrêter là parce que, voilà, c'est un peu
long, j'ai pas besoin de citer, comment on le dit, tout ce qui a été écrit dans le communiqué du procureur. Mais ce que je veux que vous compreniez est que Apoutchou n'a pas été intelligent, certes. Apoutchou n'a pas pesé ses pas, ses gestes. Apoutchou s'est laissé emmener par les histoires de Buzz. Ces histoires de Starmania. Ces histoires de vouloir penser que on a quelque chose à prouver à quelqu'un ou on a quelque chose à démontrer à la jeunesse. Quand j'ai eu à faire le direct, que j'ai parlé de la police économique, parce que les gens au départ ont parlé de ça. Mais les gens ont pris un tout petit peu dans le sens de l'amusement en disant oui, voilà, Apoutchou, il a beaucoup d'argent. Et Apoutchou, c'est un débout, puisque c'est ce qu'il aime. Il aimait vraiment se faire appeler. Il a un débout. Apoutchou, vraiment, c'est quelqu'un à, comme on le dit, à respecter tout. Bon, bref. Mais je le dis haut et fort que cette histoire-là part au-delà de Apoutchou. On le dit, il est arrivé au mauvais moment. Il n'a même pas réalisé que il y avait des problèmes que la Côte d'Ivoire est en train de subir. En ce moment et à cet instant, la Côte d'Ivoire est sur liste grise. De quoi parle de cette liste grise? Cette liste grise nous parle de quoi? Je vais revenir. Parce que quand on vient et qu'on essaie de vous informer, on essaie de vous parler de la politique, on essaie de faire des éveils de conscience, on essaie de vous, comme on le dit, vous parler pour que vous puissiez comprendre, et je le dis tout le temps, que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Ce n'est pas un débat. Quand nous sortons que nous venons dénoncer, quand nous sortons que nous venons donner des informations concernant la Côte d'Ivoire, c'est vous les mêmes personnes qui disent, vous ne faites pas la politique. C'est vous les mêmes personnes qui disent que la politique ne vous intéresse pas. C'est vous encore qui venez dire que non, nous on veut rester quand on fait les bosses, quand c'est pour parler des fesses, quand c'est pour parler de Balthazar, quand c'est pour parler de, comme on le dit, telle jeune fille elle doit sortir avec telle personne, vous êtes prêts à partager. Hein? Vous êtes prêts à partager. Mais quand on vient vous parler des faits de société, des problèmes que nous vivons, des réalités de la Côte d'Ivoire, ça ne vous intéresse pas. Parce que si ça vous intéressait, vous aurez su que la Côte d'Ivoire est dans un rétroviseur très délicat. Vous aurez su que la Côte d'Ivoire, en ce moment et à cet instant, est quelque part indexée pour des blanchiments d'argent. Je vais expliquer, je vais vous montrer rapidement quelque chose là. Continuez à faire monter le mercure dans les partages, c'est important. Pour que vous puissiez comprendre la gravité de ce qui se passe. La Côte d'Ivoire rejoint la liste grise du GAFI. GAFI. Je cite. La mise sous surveillance renforcée de la Côte d'Ivoire par le GAFI révèle des lacunes stratégiques identifiées dans son régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que
je vais continuer un tout petit peu. La Côte d'Ivoire vient de rejoindre la liste des juridictions sous surveillance renforcée du groupe d'action financière GAFI, communément appelé liste grise. Et cette annonce a été faite lors des résultats de la plénière de l'organisme tenue du 23 au 25 octobre 2024, donc récemment. On nous dit que la Côte d'Ivoire est sur une liste. La Côte d'Ivoire est fixée. La Côte d'Ivoire est dans un collimateur où on est en train d'investiguer sur la Côte d'Ivoire pour des problèmes de blanchiment des capitaux. Mais bon, c'est des choses qui ne peuvent pas intéresser à Poutou et certaines personnes parce que c'est pas leur fond. Quand on va sortir, venir vous donner des informations concernant les volets politiques qui peuvent vous-même indirectement vous mettre à l'abri. Non, vous n'êtes pas prêt à écouter, vous n'êtes pas prêt à partager, vous n'êtes pas prêt à prêter attention. Ce qui intéresse l'Ivoirien, c'est quoi? C'est quand on parle des fesses. Oh non, là, ils vont partager. Quand certaines personnes qui se font appeler des coachs vous parlent, on met vos enfants à parler des intimités. Oh non, on applaudit cela. Quand certaines personnes viennent vous dire, ouais, j'ai fait une chirurgie esthétique. J'ai fait maigrir mon ventre. Je prends un thé à maigrissant. J'ai fait ça. Je prends tes produits pour pouvoir. Non! Ça, c'est des choses qui vous intéressent, mais quand on vous parle de la politique, ça ne vous intéresse pas. Pourtant, les réalités du pays sont là. Je lui dis tout le temps à cette génération, à mes frères, que si tu ne fais pas la politique va te faire. Clair, net et limpide. Ne pensez pas que Apoutou est la seule personne. Il a été le sacrifice de mouton du gouvernement de Ouattara. Oui, parce que la Côte d'Ivoire est sur une liste grise où on a indexé la Côte d'Ivoire de faire partie des pays qui approuvent ou même qui est au devant du blanchiment des capitaux. Il y a longtemps que ça existe dans notre pays. Il y a longtemps, ça fait plus de 5 ans de cela, je vous ai parlé de ces histoires de vente de Poupounapou. Même quand je suis sortie, que j'ai fait le direct concernant Apoutou, où j'ai tiré l'attention du gouvernement là-dessus, je vous ai dit. Le réseau du blanchiment de capitaux, Apoutou même est petit dans l'affaire là. Ça commence au sommet. Oui. Il y a des Libanais dedans. Il y a des artistes dedans. Pasteurs dedans. Députés dedans. Oui. Influenceurs dedans. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue de la merde et du bordel. Sinon, de vous à moi, c'est quelle musique que nous faisons en Côte d'Ivoire qui peut emmener certains artistes à s'offrir ce luxe. Rares sont ceux qui peuvent s'offrir ce luxe. Ils sont tous des vendeurs de Poupounapou. Tous des vendeurs. Et ces histoires de blanchiment d'argent, vous savez c'est qui est à la base de cela? Des Libanais qui sont à la base. Je vais peser mes mots ce soir. Oui, je vais peser mes mots. Nous avons des Libanais dans notre pays qui sont à la base de blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire. Cautionnés par des membres du gouvernement ivoirien. Nous avons des Libanais en Côte d'Ivoire qui font part de la vente de Poupounapou. Cautionnés par des membres du gouvernement ivoirien.
C'est ça qui est la vérité. Des soi-disant influenceurs, mais la nuit, qui sont des vendeurs de poupounapou. Des soi-disant influenceurs qui s'adonnent à la prostitution, qui sont des prostituées, ce sont elles qui vont placer nos petites sœurs à apprendre à faire de la prostitution. Vous pensez que le gouvernement de Ouattara la voit ça? Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant? Ils sont au courant. Mais aujourd'hui, si vous voyez qu'ils ont mis la main sur Apoutchou là. Oui, la guêpe a dit à la police économique de voir dans cette histoire. Parce que la guêpe en a marre. La guêpe en a marre. Ça fait plus de 5 ans que je ne fais que répéter ces histoires. Sinon, de vous à moi. Cet imbécile notoire, délinquant de premier chemin. Lui là, qu'est-ce que lui l'a fait que. Qu'est-ce qu'Apoutchou a fait qui est différent de lui? Il a exposé. Il a exposé de l'argent. Pourquoi ce monsieur n'a pas été interpellé? Pourquoi il n'a pas été interpellé? Vous allez dire, oh non, il y a. Non, 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 non. Quand on veut taper sur Mac Loclo et que Mac Lacla fait les mêmes choses, on doit taper aussi sur Mac Lacla. Il n'a pas interpellé, il n'a pas été interpellé parce que c'est leur petit. Dans le temps, c'était leur petit. Il n'a pas été interpellé parce que la Côte d'Ivoire n'était pas encore sur cette liste grise où on accuse la Côte d'Ivoire d'être un pays où on fait le blanchiment des capitaux. Mais normalement, la police économique doit regarder dans les comptes de ce monsieur. Vous voyez que ces deux jours, il est surexcité, il est nerveux, il ne fait que crier. Moi, c'est l'argent de mes fidèles. C'est l'argent de comment on appelle, les quêtes. C'est les dons des fidèles. Il va nous donner la liste des dons des fidèles parce que je suis sur lui jusqu'à la gare. Et je ne vais même pas remettre le dossier au gouvernement ivoirien. Le dossier partira où ça doit partir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que c'est une petite chose? Normalement, si on est dans un pays de droit, ce pasteur, il doit être interpellé. Il doit être interpellé. Mais il n'a pas été inquiété. Et pourquoi il n'a pas été inquiété? Parce qu'à cette période, il était avec eux. Et aujourd'hui, le problème, il est où? La Côte d'Ivoire n'a pas le choix. Sinon, d'habitude, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont attraper la personne, poser des questions. Ou tu enlèves ton argent, c'est comment, tout, tout, tout et tout. Ils vont prendre leur part dedans, puis ils vont te libérer. Mais pourquoi cette fois-ci, ils n'ont pas libéré Apoutchou? C'est parce qu'il y a le feu dans leur derrière. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas le libérer. Mais comment vous pouvez avoir toutes ces informations? Vous pouvez avoir toutes ces informations, c'est si vous vous intéressez à la politique. Donc, quand vous dites que moi, je ne fais pas la politique, c'est du n'importe quoi. Quand vous dites que vous n'êtes pas dans la politique, c'est du n'importe quoi. Parce que ça va vous rattraper. Si Apoutchou était intéressé un tout petit peu à regarder la politique, à prêter attention un peu aux vidéos de la guêpe, il aurait su qu'il y a un problème de ce genre qui suit la Côte d'Ivoire et n'aurait jamais commis cette erreur de venir exposer son argent. Il y a des gens qui ont fait avant lui, non? Il y a des gens qui ont fait avant lui. Pourquoi eux, on ne les a pas arrêtés? Et pourquoi c'est lui qu'on a arrêté? C'est parce qu'il y a le feu dans la lutte de la Côte d'Ivoire. Ouattara a démontré par A plus B que lui, là, dans son pays, là, la loi est respectée. Les gens qui font ça, ils les arrêtent. Ils veulent blanchir. Donc, toute personne qui va passer sur la route de Alassane Dramon Ouattara, le gouvernement de Ouattara, même si c'est eux-mêmes, leur propre Mogon, ils sont obligés de les sacrifier pour l'image de la Côte d'Ivoire.
Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est la débauche. Les gens vendent des produits cosmétiques à gauche, à droite. Les Ivoiriens sont devenus des chimistes. Sont devenus des soi-disant coachs. Ont mené la jeunesse à la dépravation. À tuer nos mœurs. Aujourd'hui, on parle de chirurgie esthétique. On menait les jeunes filles à aller prendre des produits, à aller s'enfiler dans l'arrière parce qu'on doit avoir de grosses fesses, on doit avoir de gros seins. La côte, tout ça, ça se passe encore. Et ces produits, on voit, on mène encore le cancer à cette génération. C'est qu'on va mettre encore le feu dans la muse de la Côte d'Ivoire pour dire que les gens meurent trop du cancer, que vous allez voir qu'ils vont commencer à mettre la main sur eux. Sinon, pour Apuchou, là, ça a été au mauvais moment. Ça a été au mauvais moment. Il y a des gens qui ont fait comme lui. Hein. Le pasteur, il a fait comme lui. Pourquoi on ne l'a pas interpellé? Il n'est pas mieux qu'Apuchou. Il vient se la péter sur les réseaux sociaux, donner l'impression. Il compatit à la douleur. Il compatit à ça. Mais je le dis dans le fond intérieur. Et je mets quiconque au défi que c'est un menteur, un marmailleur. Bien au contraire, il est content. Bien au contraire, il est content. Bien au contraire, il est content. Ce monsieur a tué sa femme en plein Côte d'Ivoire. Les gens sont au courant de ça. Le gouvernement est au courant de ça. Aucune autopsie a été faite. Même si elle a été faite, elle a été cachée. Il n'a pas été inquiété parce que dans ce temps, Ahmed Bakayoko encore vivait. C'était une couverture. Et une couverture par rapport à quoi? Par rapport au blanchiment des capitaux. Je vais inviter encore la police économique à ouvrir les yeux sur ces soi-disant influenceurs. Parce que moi, je ne parlerai plus encore sur les réseaux sociaux concernant ce dossier. J'en ai tellement à dire. J'en ai tellement à montrer. Maintenant, je ne parlerai plus sur les réseaux sociaux. Je vais donner à qui de droit. Ceux qui vont mettre le feu dans la noce de la Côte d'Ivoire, c'est à eux que je vais envoyer les dossiers. Sinon, je ne parlerai plus sur les réseaux sociaux. Ce pasteur a fait plus grave qu'Apuchou. Oui, il a fait plus grave qu'Apuchou. Pourquoi la police économique ne l'arrête pas? Il allait jusqu'au point de mentir que lui, il a été un élève de l'MPT. Vous voyez la gravité de ce mensonge. Mais il n'a pas été inquiété. Il n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais été arrêté. Il a assassiné sa femme. Il n'a jamais été inquiété. Malgré le fait que nous avons des audios de lui-même, sa propre fille, qui a confessé. Normalement, dans un pays de droit, on prend l'enfant des côtés. On pose des questions à l'enfant. Psychologiquement, la petite va venir, va pouvoir dire la vérité. Mais lui se promène, n'est pas inquiété. Mais quand on met Apuchou en prison, pourquoi? Il est tombé au mauvais moment. Sinon, la vente de Poupon en poulet, ils sont tous dedans. Le blanchiment des capitaux, là, ils sont dedans. Ils sont dedans. La tête, ce sont les Libanais dans notre pays. Je n'ai pas dit c'est tous les Libanais, mais j'en connais. Je dis, je ne parlerai plus. Des députés, je vous connais. Des influenceurs, vendeurs de Poupounopo, je vous connais. Je vous connais. Des artistes, je vous connais. Ça fait plus de 5 ans que je parle de ça. Plus de 5 ans que je parle de ça. Votre nom est là. Vous avez vu ce qui est arrivé à Ambak, non? Moi, je ne parlerai plus sur les réseaux sociaux. Je vais stopper. Je vais emmener à ce que je dois emmener. Et quand ils vont mettre le feu dans la nuce de la Côte d'Ivoire, le gouvernement de Ouattara, il n'aura pas de choix que de cirer ceux qui le font. Parce qu'après tout, c'est nos enfants qui souffrent. C'est nos petits frères qui subissent. C'est nos petites sœurs qui subissent cela. C'est cette génération qui est foutue, qui part à la dérive.
la dérive. Je réponds à un commentaire ici. Toi, tu les connais comment? Si je sais ce que Ouattara a fait hier, où il dort, où il s'est réveillé, ce n'est pas des vendeurs de poupou nampou que je ne veux pas connaître. C'est la guêpe imitée, mais jamais égalée. OK? Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites même pas. Parce qu'on a une idée de tout ce qui se passe dans le pays. On a une idée de tout ce qui se passe dans le pays. Ça n'a même pas encore débuté, hein. Apoutou a parlé, hein. Ah ouais. Le petit, il a parlé, hein. Ah ouais. Vous pensez que ce, comment il s'appelle, le gars, le petit, là, comment il s'appelle, là, PCS ou quoi, là. Vous pensez que c'est lui qui est au devant? Non, lui, il a une couverture. Il a une couverture de ce qui se passe. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Je ne vais pas en dire trop parce que je regarde encore cette police économique. Je n'en dirai pas trop. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un réseau qui a été démantelé. Vous avez vu que votre, comme on le dit, BTX ou quoi là? Vous avez entendu ce qu'ils ont eu à dire, le communiqué qu'ils ont eu à faire? OneXBET? Vous avez entendu ce qu'ils ont eu à dire? Qu'est-ce qu'ils ont dit? OneXBET Côte d'Ivoire réaffirme son engagement inébranlable envers la transparence et la conformité légale en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de l'affaire impliquant des personnes publiques, OneXBET, exploité en Côte d'Ivoire par la société Ludus, souhaite rappeler à tous les principes fondamentaux de transparence et de conformité qui réagissent ces activités. OneXBET Côte d'Ivoire a mis en place des protocoles de sécurité vigoureux adaptés aux transactions. Ainsi, conformément à nos politiques de transparence et de responsabilité, les retraits sur nos plateformes sont encore et limités à ceux définis par le régulateur. Ces mesures sont conçues pour garantir un environnement sécurisé. OneXBET Côte d'Ivoire ne tolère aucune forme de blanchiment d'argent ou d'activité illégale et se conforme pleinement aux lois locales sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous souhaitons rassurer notre communauté et nos utilisateurs sur le fait que nous agissons avec transparence et responsabilité. Nous nous engageons à continuer de travailler dans le respect des lois ivoiriennes et à maintenir les standards les plus élevés, intégrité et de la sécurité dans toutes nos opérations. Ils se sont dédouanés. Ils se sont dédouanés pour dire que votre Lionel, quoi, PCS qui se tapait, qui disait que non, oui, voilà, lui, il peut, bon, il peut pas démontrer quelque chose. Je le dis haut et fort, il peut rien démontrer parce que c'est pas de l'argent propre. Et je l'ai dit dès le départ, ce n'est pas de l'argent propre. Ce n'est pas de l'argent propre. Donc, ils se sont dédouanés. Vous allez prouver comment? Vous allez démontrer comment par A plus B que cet argent a été reçu par rapport à ces jeux. Non, loin de là. Ça n'a pas été reçu par rapport à ces jeux. C'est du blanchiment d'argent, des capitaux. Et les personnes qui sont à la base, ce n'est même pas. Je vais vous dire que les histoires d'Apuchou avec les Lyonnais, ils sont petits dans l'histoire. Ils sont petits dedans. Parce que selon les informations que moi j'ai reçues, je l'ai dit, ce sont les Libyens, il y a des Libanais qui sont dedans. Il y a des ministres qui sont dedans. Il y a des députés qui sont dedans. Il y a d'autres influenceurs qui sont dedans. Il y a pasteurs qui sont dedans. Tout le monde est en train de paniquer parce qu'ils ne savent pas ce que Apuchou a eu à dire. Ils ne savent pas ce que le Lyonnais PCS a eu à dire. Ils n'ont aucune idée. Petit à petit. Petit à petit. C'est pas que la Côte d'Ivoire a un choix. Hein. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Ça fait plusieurs années que je ne fais que vous parler de ça. Je ne fais qu'attirer votre,
conscience. Je ne fais que vous dire que la Côte d'Ivoire, c'est du blanchiment. Je ne fais que vous dire que ces influenceurs sont dans du blanchiment de capitaux. Je ne fais qu'attirer votre attention sur ça. Personne ne réagissait, le gouvernement ne réagissait pas parce qu'il y a certaines personnes au sommet du gouvernement qui font part de ça. Mais là, maintenant, on a mis la Côte d'Ivoire sur une liste grise. Ils n'ont pas de choix. La police économique ivoirienne n'a pas de choix que d'arrêter Apoutchou. Maintenant, les autres personnes qui sont au devant, est-ce qu'ils vont les arrêter? C'est là maintenant, maintenant, ce que j'ai comme information, je vais faire remonter. Et quand on va mettre le feu dans l'anus de la Côte d'Ivoire, Ouattara sera obligé de mettre la main sur eux. C'est comme ça que nous allons commencer à travailler. C'est comme ça. Je le dis haut et fort. Nous allons faire remonter les informations. Il y a certaines personnes qui ont été prises dans des vidéos, dans des échanges, où il y a l'argent. On parle souvent. Hein? Il y a certaines personnes qui sont dedans il y a longtemps, qui ne se sont pas entendues avec d'autres personnes, qui ont relayé les informations. Ouattara n'aura pas le choix. Si tu veux, faut connaître Miniso. Si tu veux, faut manger avec la première dame. Oh. Si tu veux, faut faire quoi, oh, tout ce que tu veux. Oh. Quand la pression est mise sur la Côte d'Ivoire, Ouattara n'a pas de choix que de te livrer. Parce que lui, il ne va jamais accepter que le nom de la Côte d'Ivoire soit sali à cause d'un influenceur, un député ou un Libanais. Moi, je ne parlerai plus. Je vais arrêter de parler sur certains trucs sur les réseaux sociaux. Je ferai monter où je dois faire monter. Dorénavant, c'est comme ça. Apoutchou a été le mouton de sacrifice de Ouattara. Si vous vous intéressez à la politique, si vous vous intéressez à suivre la guêpe, vous allez comprendre qu'il y a certaines informations dont vous allez prêter attention. Parce que si Apoutchou avait su que la Côte d'Ivoire était sur une liste grise pour blanchiment de capitaux, il n'y a même pas quelques semaines de cela, je ne pense pas qu'il allait prendre le risque de venir lui-même se donner comme un mouton et pour en aller l'attraper. Parce que c'est ce qui est arrivé. Mais la politique ne vous intéresse pas. Vous êtes concentré sur les coachs qui vous enseignent à vos enfants comment faire des positions sur le lit. Vous êtes intéressé aux influenceurs ou influenceuses qui vont se découper le nez, le ventre, les seins et les fesses pompées en Tunisie ou au Maroc, qui viennent vous dire qu'ils prennent des thés pour pouvoir maigrir. Vous êtes intéressé, vous êtes concentré, focalisé sur ça. Tu ne fais pas la politique va te faire. C'est bien et bien dommage ce qui arrive à Apoutchou National. Courage à sa mère. Je le dis haut et fort qu'il n'est pas le seul. Il n'est même pas. Il est petit dans cette histoire. Il est petit dans cette histoire. Ce sera une leçon pour tout un chacun. Une leçon pour cette jeunesse à comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne regardez, soyez pas une génération qui veut forcément, faire du suivisme. Restez des personnes dignes, des personnes intègres. La peau noire, elle est belle. Les cheveux naturels sont beaux. Restez vous-même. C'est bon pour la santé. Vous vous exposez à des maladies, je n'en sais qu'un point fini. Ces femmes qui vous vendent des produits cosmétiques disant que pour éclaircir, et les éclaircissants, elles ne l'utilisent même pas ces produits. Les Ivoiriens sont devenus des chimies. Normalement, dans un pays de droit où la loi est normalisée, personne n'a pas les pharmacies qui ont fait des recherches sur supposées vendre des produits cosmétiques. Mais aujourd'hui, nous avons des chimistes, des personnes qui se lèvent le matin, venez payer mes produits, ça va éclaircir, ça va faire ton teint, en train de faire de ces mélanges chimiques qui donnent de cancer. Aujourd'hui, vous voyez, les jeunes filles meurent de cancer de sein, cancer de l'utérus, cancer de, des cancers à l'en point fini, des cancers que nous ne sommes même pas supposés voir sur ces jeunes filles. Mais nous le voyons. Parce qu'on a conditionné votre mind à penser que quand c'est noir, c'est pas bon. Quand c'est crépus, c'est pas bon.
Ça doit être lisse, ça doit, on peut porter des perruques de tout. Mais en faire sa vie de tous les jours, son quotidien, nous-mêmes fuit notre propre race. Comme si la race noire était une race sale. On veut devenir comme les blancs. On ne pourra jamais devenir comme les blancs. C'est mieux de s'accepter. C'est mieux de s'accepter. Et le conseil que je continue à donner à cette génération, allez à l'école, éduquez-vous, ayez des diplômes, soyez des cadres pour pouvoir emmener des changements dans nos pays. Vous avez vu que tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'argent qu'Apoutu a montré ne lui appartient peut-être même pas. Mais il a voulu se l'empêter. Il a voulu montrer qu'il est debout. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus debout que Allah subhanahu wa ta'ala. Le créateur, celui qui rend le possible impossible et celui qui rend l'impossible possible. Il n'y a pas plus debout que lui. C'est ça aussi qui est la vérité. Soyez une génération digne. Soyez fiers d'être noir. Soyez fiers d'être africain et africaine. Il n'y a rien de mal. Mes cheveux sont crépus, mais je ne suis pas vilaine. J'ai la peau noire, mais elle est propre. Vouloir faire comme les autres, c'est ça qui nous emmène dans les problèmes. Valoriser bien au contraire la culture africaine. Tout ce que vous voyez là, c'est des maladies, c'est le cancer. À court terme ou à long terme, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on voit des personnes se dépigmenter la peau. Elles sont belles avec des fesses, aller pomper des fesses, mettre des trucs dans les fesses, grossir les fesses. Quand vous les regardez dans les pantalons, c'est bien beau, mais quand c'est hors du pantalon, c'est dégueulasse. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Soyez naturel, soyez vous-même. Et c'est ça que moi j'appelle influencer dans l'amour de soi-même. Parce qu'il faut être complexé. Bien au contraire, la Côte d'Ivoire, même au point où nous sommes arrivés, on doit même peut-être même prendre des psychologues pour pouvoir parler à cette génération parce qu'elle est presque perdue. Parce qu'on a mis dans la tête que quand c'est beau, quand c'est crépu, c'est pas beau. Quand c'est noir, c'est pas bon. Quand on est mince, on n'est pas belle. Quand on n'a pas assez de fesses, non, c'est pas beau. Pourtant, on est en bonne santé. Avoir les rondeurs ne veut pas dire qu'on est en bonne santé. Non, loin de là. Prenez soin de vous. Ne soyez pas une génération perdue. Soyez une génération de référence. Écoutez la politique. Parce que quand vous prêtez attention, ça va vous emmener à comprendre beaucoup de choses. Vous voyez, la politique, quand tu ne la fais pas, elle te fait. Continuez à vous enrôler sur la liste électorale 2025 pour un changement. C'est de ça qu'il s'agit. Courage à la mère de Apoutchou. Bel et bien dommage. Je ne vais pas accuser sa maman parce que c'est un grand garçon. Il est responsable de ses faits, gestes. Il a décidé de vouloir aller au-delà de ce qu'il devait aller. Maintenant, il s'est retrouvé dans des problèmes. Et quand c'est comme ça, c'est fini. Hein? Il n'y a pas quelqu'un. Les gens vont dire soutien, soutien, soutien. Pendant 2 jours, 3 jours, c'est fini. Les gens t'oublient. On passe à quelque chose d'autre. Donc, quand on t'emmène, quand tu t'assois et tu commences à comprendre cela, ça doit t'emmener à comprendre que tout ça, c'est éphémère. Il n'y a rien de bon dedans. Mais le changement que vous allez faire dans votre pays, vous allez ressentir ce changement. Quand on parle de la cherté de la vie, vous voyez combien d'influenceurs parlent de la cherté de la vie. Ils ne sont pas intéressés. Quand on parle des Libanais qui ont fait tel ou tel truc, on les critique. Il y a d'autres influenceurs qui viennent défendre les Libanais parce qu'ils bouffent dans leurs mains. Quand on parle des Biyou, il y a d'autres qui viennent défendre encore les Biyou parce que, oui, ils sont peut-être ça, ou bien ils dealent avec eux, ou bien bouf. C'est comme ça. Mais nous qui faisons la politique, nous qui dénonçons les mots et les faits de société,
Quand on vous dit la fierté de la vie, sortez, vous allez manifester. Ils ne sont pas prêts à le faire. Quand on vous dit de partager les directs pour les effets de confiance, ils ne sont pas prêts à le faire. Même quand nous faisons des directs de TikTok, Dieu se sait même combien de personnes qui vont donner des petits cadeaux, même souvent, à ceux qui font vraiment TikTok, je ne suis pas vraiment de mais ceux qui font les effets de confiance sur TikTok, Dieu se sait combien de personnes qui vont le faire. Ils ne sont pas prêts à le faire. Quand on vous dit cotiser, aider, on fait des GoFundMe, aider à faire telle ou telle activité politique pour amener un changement, ils ne sont pas prêts à le faire. Le changement va aboutir comment? Vous n'êtes pas intéressé parce que vous profitez avec ces marmailleurs. Apoutu était au mauvais endroit, au mauvais moment. S'il avait prêté attention à la politique, il regardait les directs de la guêpe, il aurait eu une petite information qui lui aurait dit, fais attention parce que la Côte d'Ivoire est sous un radar. La Côte d'Ivoire n'appartient plus à Ouattara. Je vous ai dit haut et fort. Ouattara ne fait que suivre ce qu'on lui dit de faire. Il ne veut pas salir son image. Donc lui-même, là, même si c'est son enfant qui est dans le rétroviseur, il va l'attraper, il va le slip, il va le jeter à la maca pour son pouvoir. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées. Nous avons plus de mon YouTube et Facebook combiné à presque 3000 personnes connectées sur le direct. Vous passez une excellente soirée. Force et courage. Et j'espère que c'est une leçon pour tout un chacun. Je dis haut et fort que la liste est encore longue. Un réseau qui a été démantelé parce que ce n'est pas seulement Apoutchou et ces jeunes qui ont été. Ils sont petits, ils sont au bas de l'échelle. Ceux qui sont en haut de l'échelle, ils sont encore en haut dans le gouvernement. Mais je ne parlais même plus, je vais éviter même de trop parler sur les réseaux sociaux concernant ces trucs. Je pense qu'on va faire monter ou on doit faire monter la liste, le nom, les preuves et tout ce qu'on a pour que les gens puissent mettre la pression sur la Côte d'Ivoire et arrêter ces personnes qui détruisent notre jeunesse. Vous voyez aujourd'hui que la drogue, le poupounapou est partout aujourd'hui, dans nos lycées, dans nos collèges. Nos enfants ne vont même plus à l'école, ils vont pas aller fumer, ils vont pas aller se prostituer. Parce que nous avons des personnes qui ont courage, qui pensent que c'est OK voilà, d'aller se prostituer. Nous avons aujourd'hui des influenceurs qui sont devenus des prostonnettes sans tête, qui prennent les jeunes filles, aller les donner aux hommes, voilà, qui ont de l'argent, et puis elles ont leur commission là-dessus. Tout ça, ça existe en Côte d'Ivoire. Ça existe en Côte d'Ivoire. Et quand elle sort, oulala, elle a un sac Louis Vuitton, oulala, elle est comme ci, elle est comme ci, elle est belle, elle est comme ci, elle est comme ça, remplie de chirurgie. On n'en a rien à foutre de ça. Nous allons continuer à dénoncer. Que Dieu continue de protéger tout un chacun. Peace Allah. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.